Yo bande de Roger, ici le Matt et on se retrouve pour un free-to-play que ça fait longtemps que j'aurais dû faire et que je sais même pas pourquoi j'ai pas fait plus tôt. Me direz-vous, peut-être un jour, hein, j'en sais rien, un jeu édité par Ubisoft, voici, je m'en rappelle plus du nom, alors attendez, oui, enfin c'est un truc genre de machin, forêt que picloute, hein, de Mighty Quest for a picloute, voilà. Désolé, ça m'a échappé, ça m'est parti. Je me suis mis dans le menu principal juste pour vous montrer le mec qu'on va aller tabasser, hein, si je me fais pas déglingue. Allez, hein. Yolo. Donc, ça fait longtemps que j'ai ce jeu dans ma boîte Steam, ou Uplay, hein, comme vous voulez. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps, enfin, de faire une vidéo dessus. Je jauge, hein. Donc comme ça fait super longtemps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand je dis super longtemps, ça doit faire au moins un an que j'ai pas joué, hein, honnêtement. Je me suis dit, allez, c'est le temps de reprendre, c'est parti. On fait ça. Du coup, j'ai fait ça. Je suis en train de filmer actuellement, hein, pour vous. Voilà, j'essaie de meubler n'importe comment, hein, puisque de toute façon, le but du jeu... D'ailleurs, je sais même pas comment on nomme ce jeu, on va dire que c'est du... Non, je sais pas comment on nomme ce type de jeu. Alors toi, t'es très rigolo, mais ce serait bien que tu meurs. Merci. Vous, de même. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas le jeu, d'ailleurs moi-même je le connais pas super bien, mais bon. C'est un espèce de jeu de combat slash stratégie, on va dire. On va dire ça comme ça, hein, combat slash stratégie. Donc là, vous voyez en haut qu'il y a un chrono que j'ai échoué. Il faut finir le donjon avant que le chrono se finisse. Bon, malheureusement, je m'en foutais. Et comme je vous présente le jeu, c'est un peu dur. Donc, combat stratégie dans le sens où il y a un mode attaque où on va défoncer la création des gens. Et un mode défense. Attendez, j'ai rien oublié. Non. Et un mode défense où on construit son château et on les voit s'ils résistent aux opposants. Alors moi j'ai eu une drôle de surprise en voyant mon château puisque... Alors ça veut dire que j'ai pas tué tous les mobs la deuxième mauvaise étoile. Donc j'ai eu une drôle de surprise parce que quand j'ai ouvert mon château, il n'y avait plus rien dedans, c'était vide. Donc voilà le bousin. Hein. Bon du coup il est très très vide parce que j'ai récolté un peu d'argent pour essayer de re-remplir toutes ces conneries. Ce qui n'est pas forcément facile. Hein. Il y a un truc mis en place de trophée, c'est-à-dire que si on gagne sans perdre, oui c'est un peu bizarre, si on gagne sans perdre on gagne des trophées, donc c'est un self classement quoi. Et voilà, donc du coup vous voyez qu'il n'y a plus grand chose dedans. Voilà. Donc on a à disposition le shop, qui nous permet d'acheter soit des équipements, soit des esthétiques, des consommables. C'est un free-to-play, donc il y a du truc payant avec les gemmes ici. Vous voyez, ah non, bah ça au Steam vous le verrez pas. Donc, des trucs payants, hein, bien sûr. La défense, voilà, donc, tout ce qui est en défense. Donc, les trucs qui servent à rien qui sont payants avec les gemmes vertes. Et les autres choses, cyclope en carton, oui. Vous pouvez faire des choses, hein, c'est un peu bizarre, mais c'est possible. Vous avez le choix d'acheter des créatures. D'ailleurs, en fait, vous avez un stock de créatures et ils se renouvellent. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je rajoute des créatures. Et vous voyez ici, la note défensive, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre illimité de créatures, ce serait trop pété. Par contre, on peut mettre un certain nombre en fonction de leur puissance. Et de leur truc. Merci, vous m'avez compris, pareil, hein, j'en sais rien. Du coup, ça, on va en mettre, ça va être très rigolo. Voilà. Voilà, il y en avait que deux en stock, hein. Alors avant on avait le choix de modifier les capacités des mobs, mais je ne sais plus du tout comment on fait. Non. Je sais plus comment on fait. Ouais. Je ne sais plus. Alors je déplace la zone d'aggro. Ouais bon. J'en sais rien. Je ne sais plus, donc vous voyez là on a des coffres qui se remplissent au fur et à mesure. Des espèces de, pas des coffres, des. On va dire que c'est des mines, hein, des mines qui ramassent des gemmes bleues et de l'or. Et là on a les coffres respectifs dans lesquels on a des limites et qu'il faut augmenter avec des sous qu'on n'a pas.
Là, il y a le cœur du château qui fait un peu tout le truc. C'est ce qui va permettre, en fonction du niveau du personnage, d'augmenter les autres modules. Comme la distillerie qui permet de faire des potions, l'architecte qui permet de faire des salles. Donc, vous voyez, les salles, j'en ai 5, c'est au max. La forge pour faire des trucs dont je me sers jamais d'ailleurs. Je sais même pas comment ça marche. Voilà, il faut des composants et avec les gemmes on peut. Voulez-vous acheter ma. C'est quoi un pack de métal? Non! On bat les couilles. J'en ai pas de ton truc. Alors attendez, forge j'ai dit. Et labo de fabrication, là on peut fabriquer des. Tiens, c'est bizarre d'ailleurs. Ah non, ça c'est le rachat, je me disais. On peut fabriquer des pièges, des trucs en fonction si on a les. Si on a les équipements. Sachant qu'avant c'était différent parce qu'on pouvait. Il n'y avait pas de stock de mobs, bon, il n'y avait pas ce système de craft avec ça. La dernière fois que j'ai joué, du coup, c'est un peu différent. Alors, la vidéo ne va pas être très longue, hein, je pense. J'espère faire du 10-15 minutes. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on batte le boss de cette zone. Hein, donc, il y a plusieurs zones. Vous pouvez voir hein, le premier truc avec des petits jeux de mots. Il y a un système d'amis, comme dans beaucoup de jeux en multi, puisque chaque truc sont faits par les joueurs, à part ceux où il y a des drapeaux comme ça là. Donc le boss. Et là on va aller s'attaquer. Alors vous voyez que notre barre d'XP on est presque au niveau 14. On va aller s'attaquer. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je compare. Oh, ça peut être rigolo ça. Allez, on va prendre celle-là. Hop, poubelle. Ça c'est quoi? Moins de dégâts mais du vol de vie. 0,5 de chance par 1% de vie manquant de regagner équivalent de 20% de dégâts de l'attaque. Ça me l'air un peu mieux quand même. À moins que celle-là qui soit plus pétée encore. Dégâts, vitesse, dégâts critiques, vol de vie. Ok, celle-là elle est complètement pétée. Bon, elle est moins rapide mais plus pétée. Voilà, donc ça c'est des équipements, enfin c'est des trucs, hein, vous m'avez compris. Ouais, celle-là, il y a plus de vie, allez. Moins de dégâts, mais attendez, j'ai mis lequel là. Ouais, allez. Je sais pas ce que c'est. Cerveau de génie. Très bien. C'est très rigolo ça. Ça non plus. Je sais pas ce que c'est. Vous voyez qu'on peut aussi acheter des équipements. Hein, ce qui m'intéresse pas trop en l'occurrence. Je préfère aller les chercher. Du coup. On va s'attaquer à un truc pas mal peut-être. Notre défensif 214 sur 215. Vous voyez 30 si vous gagnez. 10, moins 10 si vous perdez. Ça veut dire que celui-là il est complètement rentable. Vous pouvez aller lui taper la tronche. Si vous perdez bah tant pis. Mais si vous gagnez bah c'est complètement rentabilisé. Enfin rentabiliser, plus ou moins. Ah, voilà, lui il a mis de l'argent déjà puisqu'il a un skin. À moins qu'il y ait d'autres façons pour gagner des gemmes. Hein. Vous en avez de base, mais je crois pas que ça suffise à acheter des skins de château. Je vais quand même vérifier le son histoire de pas faire de bêtises. Voilà. Alors, du coup, bonjour. Oh là là là. Alors attendez. Ah oui, j'ai pas parlé aussi des sorts du personnage. Vous voyez que c'est un peu à la manière d'un. Soit d'un MMORPG, soit un peu de LOL, hein, barre d'attaque en bas. Mais si un système de potions que j'utilise pas, hein, moi je snaps les potions. Ouais. J'en ai un peu rien à foutre des potions, si je meurs tant pis. Bon alors certes ça va pas faire augmenter mon niveau de trophée, mais j'y vais à l'arrache. C'est qu'il y a du monde par contre ici. Les pépilons. Très bien monsieur, je ne sais pas. Oula, ok. Il y a un KFC géant qui nous a attaqué. Enfin maintenant il est en KFC, tu m'iras. Je crois que j'ai aggro toute la planète. Tac, on ramasse des orbes de vie. Hein. Donc il est possible si vous êtes rigoureusement efficace de ne pas mourir rien qu'en ramassant les orbes de vie. Oula, marteau Milon brunâtre, je sens que ça va être pas mal ça. Et boum! Désolé pour le Skype derrière, vous l'avez entendu, c'est pas grave. Hop, petite ordre de vie. Commencez par eux parce qu'ils protègent les autres en fait. C'est l'idée. Par contre, les archers, ils sont très rigolos, mais. Hop. Hop, tac, 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 tac. Voilà! Et je ne sais pas du tout si j'ai fini le château. Non, pas du tout. Parce qu'il faut que j'aille chercher les mines.
Tant pis, hein. Je vais tout prendre ce qui reste. Je vais explorer ce que j'ai pas fait encore. Putain, il est grand son machin. Hein. Tac, tac, tac. Ici, on en a une. Donc là, on récupère un peu de sous-sous. Ah, pied pièce. Hop. Et tic, 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 tic. Il a dû en mettre une en haut à droite. Logiquement. 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 Oh oui, d'accord. Monsieur aime les pièges. Du coup, voilà. Hop. Merde. J'ai un petit peu fait le con. Oh, c'est quoi ce spam de l'infini? Par contre, je vais peut-être mourir avec ces conneries. Hein. Ouais, je vais mourir. Tant pis. Ah, tant pis. Ah ouais, j'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave parce que si vous vous souvenez, on a perdu 10. Donc si on recommence, ça fait partie du jeu. Hein. Si on recommence et qu'on gagne, on fait un profit de 8. Donc c'est pas très grave. Donc plus on prend un truc rentable, mieux c'est quoi. Bon après c'est un peu fastidieux de le refaire, mais si vous êtes bien accroché, vous pouvez faire que gagner si vous trouvez les bons châteaux. Je l'ai là directement, je sais plus comment j'ai fait. Ah oui, ici c'est par là. Hop, tac, on récupère ça. Ah oui, d'accord, on va dans l'autre sens. Hop. Putain, ça c'est vraiment casse-couille son truc. Ah mais c'est limite de... c'est limite si je peux pas passer en fait. Voilà. Bon voilà, hop, on va commencer par lui. Putain mais il a beaucoup de vie en fait. On va commencer par les petits du coup. Rassemblez-vous s'il vous plaît, ça me facilitera la tâche. Voilà, un petit peu de vie. Alors toi par contre, voilà, tu viens là, tu prends ça, 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 ça. Voilà, toi t'as pris tarif pour les autres. Hop, et on ne récupère pas l'équipement qu'on a perdu tout à l'heure malheureusement. Ça fait partie du jeu, on va quand même prendre cette armure à la con avec un peu de vie. Voilà. Oui, bah oui, merci. Du coup, je peux plus passer. Vas-y. Merci. Tac, j'ai glitch le jeu. Bah les couilles. Ah bon hein, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Alors. Bon, ça se voit que le mec est niveau 14. Parce que pour valider son château, il a dû aller beaucoup plus vite que moi. Est-ce que je vais dans le bon sens? Telle est la question. Oui. Voilà, magnifique. Magnifique. Bon. Il reste juste à buter les monstres. Et on a fini. Sachant qu'il y en a beaucoup là, non? Hop. Juste choper lui. Et tuer. Tac. Marteau à pointe. Alors pour cela, on va préconiser ça. Puis ça. 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 Voilà. Bien du coup, t'es un peu nul toi. Voilà, oula 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 oula. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié lui. On va commencer. Voilà, hop, tac 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 tac. Aïe 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 aïe. Tout va bien, tout va bien, plus ou moins. Voilà, lui il est mort. Tac. Tac, 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 tac. Allez, toi tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Oula, moi je meurs. Ok, alors là, là c'est délicat. Là, c'est très délicat. On va les avoir comme ça. Je vois pas d'autre moyen. Voilà. J'ai assez de mana, ouais. Génial. Ok, j'ai marché dans un piège. J'aurais pu mourir. Si j'étais mort comme ça, j'aurais eu un peu la haine, j'avoue. Et on complète de dungeon, voilà. Ouais, génial, ouais, 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 trop content. Trop... Oula, putain, ouais, j'ai gagné 10 sous en fait là-dessus. Ok, ceci n'était pas une mauvaise manip, hein, je vous le dis. Plus ou moins. Niveau 14, et j'ai une nouvelle... compétences. Voilà, donc la faucheuse c'est la compétence de base, hein, je l'ai mis pour clic droit.
Vous avez la charge, l'arme de feu, voilà, ça que j'utilise pour attirer les ennemis et ça fait aussi un sort à distance. Le coup de poing, vous frappez une créature en infligeant 511 dégâts, donc je préfère quand même celle-là. Une attaque infligeant 1179 dégâts, hein, c'est un petit peu plus puissant. Donc ça assomme, mais je préfère. Attendez, celle-là, on la trouve où? Voilà, châtiment est ici. Qui est plus puissante quand même, bon ça peut être pratique, et ça qui est une bonne AOE si je me souviens bien des termes techniques. Donc alors on a ramassé du stuff, celle-là elle est mieux, hein. Risque tout, pousser, fait 3 secondes, celle-là est mieux, là en plus c'est du niveau 14, ça c'est quoi? Niveau 14, beaucoup moins de dégâts, beaucoup plus de vie. Je préfère la vie, je préfère le dégât sur le coup, quoique. Ça fait quand même beaucoup de dégâts en moins. Ah, c'est pas grave, allez, Joseph. Changer de stuff. Faux enflammé, c'est pour le fugitif. Donc il y a 4 classes différentes, hein. Une, je crois, une. Je sais plus si elle est possiblement utile, je sais plus. Attends. Les poisons infligent, confusion de chance. Ah non, attends, celui-là il est bien. C'est un peu de la merde ça. Je fais ça vite, hein, comme ça on peut continuer à faire les cons. Ok, c'est exactement la même chose en moins bien. Donc je l'enlève. Armure de ma couille. Non, non, non. Hop, voilà. Ah, alors ça, qu'est-ce que ça dit? Plus de dégâts, mais on n'a plus le vol de vie. Je préfère le vol de vie quand même, même s'il est très peu présent. Non, je veux pas acheter de l'inventaire, j'ai mis ce clic. Voilà, merci. Alors. D'ailleurs, je sais même pas comment j'ai 2 places d'inventaire. Je sais pas si c'est comme ça depuis le début, mais bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Toutes les stats. On va voir ce qu'on peut améliorer dans le château. On va attaquer le boss. On va voir si on y arrive. Et si on n'y arrive pas, on finit la vidéo. Si on y arrive, on finit la vidéo. Alors. Du coup. Et ça. Là, je récupère les sous-sous, je vais agrandir mon coffre à pièces. Voilà, je ne serai plus jamais bloqué. Et du coup, on va peut-être essayer de remplir le château avec des conneries. Crachat, non, attendez. Défense. Créature, barricade, machinerie. C'est quoi machinerie? Ah, d'accord. Ok, piège, barricade, piège, ok. Créature, bon, bah, y a rien de spécial, hein. C'est pas très intéressant. On va peut-être en mettre 2-3 comme ça pour rigoler. Genre un peu là. Et puis un peu là, tiens. Voilà, le mec il est pas né, il crame déjà. Voilà. Ça sert à rien, c'est juste pour meubler. Hein. Voilà, comme ça vous montre un peu les places possibles d'inventaire. Pas d'inventaire. En fait, chaque chose a sa place. Et là, on va rajouter un peu de choses. Voilà, vous êtes content? Moi non plus. Très bien. Ah, mais du coup, faut que je teste mon château. Ah, comme ça, je vous montre aussi ça. Non, attends, pourquoi je peux pas le... Ah, mais ça a bugué. Ça a bugué. Ah, voilà, on va valider notre château. Donc on dispose de 3 potions gratuites, si je me souviens bien, pour valider. Voilà, 3 potions. On va essayer de faire ça en mode vite. En mode j'ai pas le temps. Ah merde. C'est vrai qu'il faut la charger cette attaque. Alors, par contre, vous, si vous pouviez mourir. Voilà, très bien. Alors, tac. Ok, ça passe. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. T'es mort. Ok, très bien. Voilà. Je vous avouerai que la constitution du château n'est pas la plus intelligente, mais bon, en même temps, je m'en battais un peu les couilles quand je l'ai fait. Je m'en bats toujours les couilles d'ailleurs. Mais non! Putain, ok. J'essaie de rush, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Tout est expliqué, je vois rien. Ok, c'est fait exprès. Je suis trop intelligent en fait. Je l'ai fait exprès qu'on voie rien. Non, pas du tout. Ok, très bien, on pète ça. Tac, tac, tac. Hop, avec le hamster qui pète des câbles dans sa putain de roue là. La roue de la mort. Tac tac tac, ok, ça c'est bon.
Ça c'est bon. Allez, aïe, j'ai cramé un petit peu, c'est pas grave, on boit une potion. Ok, alors comment on s'organise? Ah merde, il y a ça à prendre aussi, putain. Même moi j'oublie où je les ai mis mes trucs, alors ça, ça va pas très bien aller. Qu'est-ce que j'allais dire? Hop. Tac. Nickel. Hop. Alors? Hop. Alors par contre vous, vous allez me faire le plaisir de crever. Voilà, si possible, hein, évidemment. Oula, par contre là je suis pas bien. Bon c'est pas grave, j'ai des potions. Regarde, il a activé son bouclier maintenant lui. Quel vieux schlag. Hop. Alors on a plus de potions. Qu'on meurt plus, hein. Sinon on est nul. Hop, 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 et hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, putain, moi qui voulais pas faire une vidéo trop longue, on est déjà pas mal, hein. On va se laisser peut-être là-dessus. Bon, allez, on va essayer une fois le boss, parce qu'il a l'air très rigolo. Allez, c'est parti, je m'en bats les couilles. Vas-y, fais péter. Sans potion, on y va. Et on clôt la ville là-dessus. La ville est là-dessus. Ok, je fais des contractions de mots. Je suis trop énergique, les mecs. Vous comprenez pas. Moi non plus, je sais. Alors, allez. Alors, des pièges très rigolos. Hop, je sais pas. Bah, je m'en fous, de toute façon. Il m'a même pas fait de dégâts, le machin. Ah, alors toi, tu vas gentiment te prendre tes propres pièges. Hein, voilà. Alors, heureux. Ensuite. Je rush, hein. On bat les couilles. Bon, là, je pourrais me faire de l'XP. Allez, on va faire un peu d'XP. Hop. Ok. Ah, je savais pas que je pouvais faire ça. C'est cheaté. Non, c'est cheaté. Allez, venez par là. On va comboter un peu les ennemis. Voilà, histoire qu'ils soient bien tous rigolos. On va taper 2-3 pour l'XP. Voilà, mana, je veux dire. Hey, YOLO! Putain, qu'est-ce que c'est jouissif de tuer autant de personnes d'un coup? Alors, toi, tu vas mourir par contre. Ah, toi aussi. Est-ce qu'il y avait un truc là-haut? Juste pour vérifier. Oui, c'est... Oui, c'est original. Ok, il n'y avait rien. Enfin, plus ou moins. Il n'y avait rien. Très bien, plus ou moins. On continue. Triompher des grrr. Donc, le boss est grrr. Là-bas, il y en a. Hop. Toi, t'as pas le temps. Moi non plus. J'ai pas ton temps. Est-ce qu'il y en a un autre qui a pas le temps, là? Ouais. Du coup, il en a invoqué deux autres qui n'ont pas le temps non plus. Voilà, merci. Alors toi, tu viens avec moi, voilà. En fait, vous venez tous. De toute façon, j'ai pas beaucoup besoin de vous. Voilà. Tac, tac, tac. Regarde, ça va être rigolo. Viens ici, toi. Il est le temps d'invoquer son machin, quand même. Bon, j'ai fait exprès de les aggro, hein, vu qu'ils passent dans les pièges. Ils se font déchiqueter le temps que je défonce au fur et à mesure. Et voilà. Et voilà, ça prend rien. Tac, tac, et tac. Ah, d'accord, monsieur a invoqué des choses quand ils vont mourir. Merci bien. Alors là, il y a un petit piège très rigolo, hein, je m'en fous. Par contre, il risque d'être long ce machin, non? On va peut-être faire gaffe à la vie. Non, mais alors toi, t'es chiant, toi. Toi, je te le dis tout de suite, t'es relou. Voilà. Attends, j'ai oublié ça. Et toi qui t'es? Je sais pas, mais t'es mort. Toi aussi. Putain, mais il est grand ce truc. Dis donc. Dis donc, dis donc. C'est par où? Hop, hop. Ok, on voit le bout. Enfin, on voit le bout. On voit que ça part pas dans tous les sens quand même. Je spam mon clic, vous devez l'entendre, hein, logiquement. Alors attendez, il y en a là, là, hop. Ah, plutôt bien.
Oula, c'est une fausse manip. Ah, merci le Skype. Désolé, je ne pourrais pas, malheureusement, le désactiver. Donc, si on me Skype, on me Skypera jusqu'au bout. Voilà. Si ça, c'est pas de l'organisation de merde, je sais pas ce que c'est. Merde. Eux, ils sont bien relous. Merde, non, non. Fais pas cette attaque. Voilà, merci. Voilà. C'est pas le bon. Une espèce de boîte. Ok, ça c'est bon. Je tue tout le monde, hein, dans gaffeur. Tant qu'à faire. Autant le faire bien. Et voilà. Un champ de cadavres. Heureux ou pas. Sans qu'on approche du boss. Ah, alors toi, tu te fais pas aspirer déjà. Qu'est-ce que tu fais? Ou bien, d'accord, alors... Ah oui, alors, lui, alors... Donc, il se fait pas assommer et il me déboîte. Donc, plutôt bien. Hop. J'ai tous mes PP là-dessus, enfin mes PM. Ah, mais tu bois de la potion! Mais t'es un fils de pute! Allez, je t'as... Je te finis! Bon, ok. Là, on est un petit peu dans la merde. Je sens qu'on va le finir comme ça, je sais, c'est sale. Mais sinon, je vais mourir. Et voilà! C'était pas épique du tout! Sur ce, je vous dis, si j'arrive... Vous devez éliminer toutes les créatures, merci! Alors... Très bien! C'est fini cette fois. Alors ça, si c'est pas du fail, je fuis comme un lâche. Voilà, je l'évalue, il est très rigolo ton niveau, monsieur. Donc... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo tournée au schnapps, toujours comme d'habitude. Vous pouvez mettre un pouce vers vos abonnés, même si vous n'avez pas aimé, hein. Si, si, non, si, non, c'est pas logique ce que je viens de dire. Ah, tuez-moi! Au revoir!